papa yangoyo ndenge baza komona ezali corbière à papa. Ça c'est l'église basilique tokomi na moment oyo.
Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités politiques, civiles et religieuses, frères et sœurs dans le Christ, au nom de la famille de M. Tshisekedi Wamukuba, en collaboration et avec le soutien de l'Église de Dieu qui est en Belgique, et toute la communauté congolaise en Belgique, la pastorale des migrants, la pro-migrante section Afrique, vous dit, soyez tous et toutes bienvenus en ce haut lieu spirituel du Royaume de Belgique. C'est depuis le mercredi 1er février 2017 que le ciel nous est tombé dessus, en particulier pour les peuples congolais. Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, affectueusement appelé Atiti, n'est plus de ce monde. À travers les lectures qui nous seront proposées au cours de cette célébration, nous pouvons y voir les résumés du parcours de sa vie. Nous sommes venus ici nous réunir, partager notre peine et notre sympathie, en particulier à toute sa famille, à son épouse Maman Martin. Le Christ, le docteur Étienne Tshisekedi,
cela prendra des heures. Tellement j'ai à dire et à raconter à son sujet. C'est pourquoi je me contenterai pour le temps qui m'est imparti de ne parler que de son œuvre, de sa vision politique, de l'héritage qu'il nous laisse et de ce que l'on peut en tirer pour le devenir du combat qu'il nous lègue, ce combat que le peuple congolais tout entier devra mener pour sa libération définitive de l'emprise des dictateurs. Après avoir tenté en vain d'obtenir du régime du MPR de l'époque l'ouverture démocratique qu'il a toujours estimé indispensable au développement d'un pays et au progrès social de la population, le président Tshisekedi et ses collègues de parlement et de la classe politique de l'époque avaient fini en 1982, comme on l'a dit tout à l'heure, par se résoudre à créer un deuxième parti politique. Il s'agit, vous en doutez, de l'Union pour la démocratie et le progrès social en cycle UDPS. C'est là la grande œuvre que nous laisse notre chef. C'est cette école du courage et de la résistance à toute forme de dictature qu'il laisse aux Congolais, toutes générations confondues, en leur disant, comme il l'a toujours répété, prenez-vous en charge. Depuis le début de son combat politique, qu'il a toujours voulu non-violent et combat d'idées, mon président a consacré toutes ses énergies autour de trois objectifs principaux qu'il estimait à la base du développement de tout peuple. Il s'agit du combat contre la peur, de la lutte pour les droits et libertés des citoyens et de la lutte pour l'instauration d'un état de droit et de la souveraineté populaire. C'est là l'essentiel de sa vision politique. Je ne me suis jamais lassé de l'entendre souvent dire « La vérité finit toujours par triompher sur les mensonges. La seule façon de se révolter et de combattre les injustices et l'arbitraire, c'est de vaincre d'abord la peur qui est en soi. » Il a toujours exhorté le peuple à défendre en toutes circonstances ses intérêts dans la légalité, la non-violence, car il était convaincu que la non-violence est le fondement même de la démocratie. Elle incite tout acteur politique à respecter les principes élémentaires de la dignité humaine. Elle élève le peuple à un idéal noble, celui du dépassement et des compétitions d'où découle le développement. Tandis que la négociation permet de triompher par la persuasion et l'argumentation. Si un homme est politiquement et culturellement conscient et responsable, estimé mon président, et s'il peut s'associer à d'autres hommes pour faire entendre sa voix dans la non-violence, il aura la satisfaction en tant que citoyen de ce pays. Je peux lui apporter à ce stade. Vous imaginez si tout le monde se met à filmer, à venir ici. Restez de ce côté-là. Vous ne pouvez pas vous mettre à filmer comme ça. Non. Parce qu'il y a la famille. Mais vous de la famille, vous imaginez aussi si tout le monde de la famille se mettait à se lever à filmer comme ça. C'est vrai que les autres. Ici, on ne doit pas arriver comme ça. Mais de là que peut tomber aussi. De là que peut tomber. Bon, ça va, ça. De pression morale et sociale sur les gouvernants, faute de quoi ils pourront en n'importe quel moment être arrachés et redevenir la propriété. Enfin, l'état de droit et la souveraineté du peuple ont toujours été la préoccupation essentielle du combat de notre chef. Il a toujours estimé en effet que sans cadre juridique clair, sans loi fondamentale bien élaborée par les représentants du peuple,
Alors que les régimes dictatoriaux qui se sont succédés dans notre pays se sont toujours appuyés sur le principe de diviser pour mieux régner, le président Tshisekedi n'a jamais cessé de prôner la réconciliation nationale comme préalable indispensable à la reconstruction du pays. Car, estime-t-il, tant qu'il y aura pas de participation libre et volontaire de la majorité des citoyens à l'effort de reconstruction, tant qu'il n'y aura pas des règles consensuellement élaborées, définissant clairement le cadre de cette participation, tant qu'il y aura des individus ou groupes d'individus qui ne voudront pas se soumettre à la loi ou qui poursuivront la politique d'exclusion, il n'y aura pas de savoir qui permette de la reconstruction de notre pays, la République du Congo. Mais en parlant de la réconciliation, le président du Sénat a toujours ajouté qu'il s'agit d'abord d'amener à la reconciliation. Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous soutienne dans la foi et que sa grâce et sa paix soient avec nous tous. Certains jours vacillés, à d'autres moments, elle fut ranimée. Si à nos yeux elle semble éteinte, aux yeux de Dieu, elle brille toujours. Que cette même lumière du Christ ressuscité éclaire nos pas pour repartir dans l'espérance. De cette Eucharistie, en disposant nos cœurs à demander
et à accueillir la miséricorde du Seigneur pour notre frère Étienne Tshisekedi, ainsi que pour nous-mêmes. Pour tous les lancers.
retraités ou diplômés, jeunes ou adultes, acteurs politiques ou membres de la société civile, religieux ou laïcs, chrétiens, prêtres ou évêques, j'en passe. Nous sommes tous concernés par la mort. Monsieur Étienne Tshisekedi nous précède, car son heure est arrivée. La nôtre viendra aussi un jour. À chacun de nous de se tenir prêt. Saint Paul nous le rappelle en disant à Timothée dans la première lecture, « Le moment de mon départ est venu, je n'ai plus qu'à recevoir la récompense de mon vainqueur. » Nous demandons donc au Seigneur d'accorder à M. Étienne la récompense qu'il réserve à ses enfants, la récompense qu'il réserve à tous ceux et à toutes celles qui auront cru en lui et à ceux et celles qui auront mené leur vie au service de leurs frères et au service de l'amour avec majuscule. À ceux-là, il réserve le bonheur éternel et la paix, un bonheur qui commence dès ici-bas. Au chapitre 5e, son évangile Saint Matthieu nous présente le Christ sur la montagne qui explique à ses disciples les conditions du véritable bonheur. Le bonheur n'est pas dans la sécurité financière et matérielle. Il n'est pas dans les conflits armés et les guerres à répétition. Il n'est pas dans l'accumulation des richesses ni dans les lauriers du pouvoir. Le bonheur n'est pas dans l'oppression, ni dans le vol, ni dans le viol. Bien au contraire, ils sont heureux, les pauvres de cœur. Ils sont heureux, les doux. Ils sont heureux, les affamés et les affaissés, les assoiffés de la justice. Ils sont heureux les artisans de paix. Ils sont heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ils sont heureux ceux que l'on insulte, dont on dit faussement toutes sortes de mal à cause de l'Évangile. Pour autant que M. Étienne Tshisekedi se serait été forcé de réaliser l'un ou l'autre aspect de ses béatitudes, Dieu l'accueille dans son royaume. À 84 ans, M. Étienne Tshisekedi dirait comme Siméon, « Seigneur, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix. » Qu'il repose donc en paix pour tout le travail d'engagement sociopolitique qui a caractérisé sa vie. Qu'il repose en paix pour sa contribution à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Qu'il repose en paix pour son esprit de persévérance dans la recherche de solutions durables aux conditions de vie de ses compatriotes. Qu'il repose en paix pour sa part à la prise de conscience de l'émancipation en Afrique et dans le monde. Qu'il repose en paix pour avoir inspiré à beaucoup de jeunes la noblesse des valeurs de paix, de douceur. Qu'il repose en paix pour tout son attachement à la non-violence dont il a été le grand artisan. Quoique malmené par la maladie et le poids de l'âge, il n'a pas perdu de vue ses obligations. Elle marque la vie de son empereur. Nous te prions, Seigneur, pour Papy Étienne qui est venu auprès de toi.
qu'il trouve le bonheur et la joie d'avoir cru en toi et d'avoir témoigné de sa foi en toutes circonstances de sa vie. Seigneur, nous te prions. Dans ta maison, de lui donner la joie de l'éternité. Encore, Seigneur.
pour la collecte. Nous allons rester à nos places. Il y a des personnes qui vont passer avec les paniers pour que nous puissions partager ces gestes de bois, de t'offrir nos actions de grâce, de Dieu et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout. Oh,
combat mené jusqu'au bout par Papy Étienne pour l'avènement d'un Congo prospère et beau, suscitant chacun un engagement favorable à la réalisation de cet objectif. Seigneur, nous te prions.
Merci. En tout cas, tu repères sa dernière hommage à papa Nabiso Etienne Tshisekedi di Baoba Nabiso. Vous avez l'accès à Nabiso Nzela. Mais, à profiter souvenir, on a érotique à la jamais, éternellement, la catamité Malabiso. Combat paix pour la démocratie. Et aussi la terre. Biso, ton zato, on continue. Idéologie, on a la catamité Malabiso, la catamité Nabiso. Et si Kali Kaka, vivant, paix érotique à la toujours vivant. Viva!
cercueil à B50 de mon Congo en Koba. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Donc, en plus, nous avons une personnalité belge. Papa qui est un peu de la vie, Atala Oya Salé Katanboka, la mission pour la démocratie, Nenga Bundi Mboka, la Limbakite, en tout cas, papa qui est un peu de Kimia Nyosu. Merci, mon frère. Dégagé que n'est la yo, la vie la dégagé que
journée à Soukoto Moniana, la basilique. Bon, les armes à Pona Bissoba combattant, mais les bandelines à combat, si qu'on a solo sur les bandines, n'a lieu à la titi. La Bissoba combattant, donc si qu'on combat vraiment bandit. Les armes à général 4 saisons. Aux hommes, pour combattre bandit car la main, page nous souffle à histoire de changer à Congo, n'a lieu à la titi. Thank you.
Michel. Louis Michel. Alors voilà, vous tout allez. Alors, mère, allez. Oui. Bombe bandisi ko lumbe lumbe. Pour nous, nous avons toujours pour nous à venir à l'objet. Merci.